Un monde où on se sent en sécurité déjà. On se sent en sécurité où on peut exercer nos activités, que ce soit des loisirs, le travail, les cours et même autres, comme peut-être il y a des gens qui ont une religion, etc., dans la sécurité et puis dans toute liberté. Quand on nous a annoncé qu'on allait avoir un projet d'affiche comme ça pour un événement, ça m'a fait un peu peur parce que du coup c'était la première fois qu'on travaillait sur un aussi gros projet où ça allait du coup aller plus loin que juste l'école. Donc j'avais un petit peu peur. Mais en vrai je me rends compte que c'est comme un devoir qu'on aurait pu avoir sans forcément avoir d'engouement après par rapport à un événement. Donc là ça va bien, enfin je suis assez rassuré par rapport à ça. Après la petite présentation qu'on a eue du coup lundi, bah en fait je me suis un peu renseigné par rapport au microélectronique pour du coup savoir où est-ce que du coup c'était. Je me suis rendu compte qu'en fait on avait partout. Et que si aujourd'hui on a tout ce qu'on a, c'est-à-dire les ordinateurs, tout ça, c'est un peu grâce à ça. Et que si on a du mal à recruter aujourd'hui dans ce domaine-là, et bah on n'aura sûrement pas beaucoup d'avancées plus tard sur ces. Sur ce secteur et qu'on ne pourra pas évoluer pour avoir peut-être du matériel plus adapté. Ça a été surtout de trouver les idées en fait. Pas forcément en rapport avec le sujet, juste vu que c'est nous notre sujet c'était un peu, fallait faire un anachronisme, donc mélanger le passé avec le présent. Et bah, trouver des contextes où la microélectronique avant n'était pas présente et aujourd'hui, bah, c'était un peu compliqué, mais sinon il n'y a pas forcément de frein.